Auxerre 13e reçoit Lorient 3e. Des Lorientais qui n'ont pris qu'un point sur les deux derniers matchs et qui se méfient de ce déplacement car la GIA va mieux sur 4 matchs sans défaite et il y a eu 3 matchs à l'extérieur dans cette bonne série pour les Bourguignons. La première opportunité est en faveur d'Auxerre, le tir sur la barre transversale de Julien Ferré. Pas de réussite pour l'un des joueurs les plus expérimentés de la Dominos Ligue 2. Il ne parvient pas à marquer le but du 1-0 alors qu'Auxerre affiche un bon visage. 2 victoires et 2 nuls sur les 4 derniers matchs. De quoi redonner beaucoup de confiance aux joueurs de Pablo Correa qui continue à construire des actions intéressantes. Lorient a des difficultés dans cette première période. Toujours Ferré, cette fois-ci pour le centre. La reprise à bout portant de Rémi Dugimon s'est sauvé par Ilan Mélier. Beaucoup de situations favorables à l'équipe locale. Réponse lorientaise enfin avec le coup franc et ce ballon roulé du gauche. Attention au but contre son camp de Ferré, ça aurait été terrible pour la GIA. Ça passe juste à côté, le ballon qui rebondit sur Ferré. Seule action de cette première période en faveur des Merlus, 0-0 à la mi-temps. S'il y a une équipe qui mérite de marquer, c'est bien la GIA Auxerre pour l'instant. Mais l'équipe de Michael Landreau a toute la seconde période pour accélérer alors que celle de Pablo Correa essaye de continuer à afficher le même visage. Mais Lorient est un petit peu plus consistant. La balle sur le côté pour une possibilité de centre. Le changement de côté avec cette reprise. Le ballon qui rebondit, la défense in extremis qui peut dégager. Le dernier tir est signé Vincent Le Goff. Ce n'est pas encore suffisant pour l'équipe bretonne. Nouvelle action pour Alexis Claude Maurice, l'un des hommes en forme ces derniers temps. Il réussit à se remettre sur le pied droit, le tir cadré, le sauvetage de Quentin Westberg. Puis le ciseau acrobatique à côté, ça ne marche pas non plus pour Lorient, c'est un peu mieux dans cette seconde période. Mais ça ne suffit toujours pas pour marquer un but qui ferait la différence. Lorient va enchaîner un 3e match consécutif sans victoire. Et Auxerre un 5e match de suite sans défaite, personne ne parvient a marqué de but dans cette rencontre, pas même sur ce dernier corner. 0-0 entre Auxerre et Lorient.